bonjour à tous. Et alors, on va ressortir. Nouveau, mais pour quand même rester prudent. Merci à le déconfinement. Et dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous parler d'une célèbre émission télévisée. Interview. Et ses taureaux, et ses célèbres. Oui, les épreuves des taureaux. Oui. Interview a été créé par Gilux en été 1962. Et il était animateur principal également. Il est aussi sera d'abord diffusé dans les chaînes RTF. Enfin, non, c'est non, je vous dirai après. En 63, il reviendra. Et après, en 1964, il sera diffusé sur l'ORTF. L'ORTF. Non. Et un peu plus tard, dans les années 70, c'est un grand couleur. Mais c'est 1963, parce que cette musique est un peu trop... Un peu trop doux. Un peu trop doux. D'ailleurs, il faut manquer. D'ailleurs, ça s'appelait... le tango d'interview, et oui. Ok, alors c'est bon, d'internet, je vais reprendre après. Et Gilux était celui qui a acheté les jeux télé, c'est qu'à l'heure à l'appel ou jeux sans frontières. Les joujoux, défi extrême. Et là, des jeux différents. Chanson n'est plus. Le temps dans la ville qui fait. Sur TF1, où à l'époque TF1 était représenté
Ouais, en minuscule. Et on remarquera que dans l'émission, avec une convention dans l'émission, dans l'émission des années 90, c'est vrai que le logo va changer, que c'est le logo qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais malheureusement, ça serait bien en 1991. Le plein air. Et oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de montrer le des marques publicitaires. Publicitaires dans la certaines émissions. Et oui, comme champion. Un peu du marché à avoir vu. Et bien sûr, la célèbre vache qui rit. La célèbre marque de la vache qui rit, le fromage avec la vache rouge. La vache rouge. Oui. Et oui, d'ailleurs, il y a sur les épaules, on verra la tête de la vache qui rit. Et il y a toujours les crocs de taureau, voyons. Et c'est absorbé par la place. Et aujourd'hui, jusqu'en 1984, ce n'est plus présenté par Deluxe. Mais il prendra quand même l'émission. Et il est toujours bon, les gars. Oui, Deluxe. Et oui. Et bien, le nouvel animateur, il sera animé plus tard par Jean-Pierre Foucault, l'animateur de Kimmelure. On ne sait pas s'il animait encore la Disney Parade qui avait lieu tous les dimanches après-midi aux côtés de réponse. Anne Hansen, la chanteuse. Et oui, ça nous dit. À pas confondre avec le programme du matin, le Disney Club, présenté par un... Donc ça s'est arrêté en 1998. Et lui, plutôt. Et d'ailleurs, dites au parc d'Euro Disneyland à Paris. Et en futuroscope, c'est-à-dire en 99, une émission qui opposait Paris et Pékin. Et cela, ça s'en prend encore en 2000. Pour le moment, le matériel n'était plus en ordre de sécurité. On referait les normes. Et revient en 2004 avec un truc plus dansant, plus proche. Et oui, de l'an 2000. Bon, on verra l'année 2004 marquée. En 2005, l'année ne sera pas marquée. Il y aura par contre un DJ qui animera. Et oui. Et un animateur. Un ancien animateur de Fort-Boyard, du nom de Patrice Lafont. Lafont qui a animé à Paris pendant 2004 et 2005. Et après 2006, 2007, et un logo tout en rouge et un logo jaune. Jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un logo et son en rose en 2008. Et c'est pas bien du tout. Ok. Et là, et l'ancien animateur de Question pour un champion, Julien Lepers. Julien Lepers, c'est oui. Oui, il n'anime pas que la question pour un champion, oui. Il anime aussi un verre, oui. Pour une version inédite en 2008. D'IIT avec un discours de sécurité commun, nom de Jean-Pierre Castaldi, qui était un des anciens animateurs. Et en 2009, c'est un générique avec Polar, entièrement Polar, et plus accéléré. Deuxième anime, et oui, de nouveau anime. Et oui, dans le monde, planète, ouais. Mais ça va pas plus. Et ça a arrêté comme une émission de Dizouzou, malheureusement. Et pour seule émission en 2013 avec eux. Et lors des 50 ans de Terreville. Et j'en ai rien parce que. Allez, moi, c'était quand même en 1962. Arrêtez là. Et lui, en 2013, et oui, pour les 50 ans de Terreville. Présenté cette fois par le grand Olivier Yanni, aussi pour Royal. Et de 2014 à 2017, une édition internationale de Terreville. Sur Gulli et qui a été animé par Jean Fragelli. Malheureusement, Jean n'animera pas d'autres interviews, malheureusement. Parce qu'il va en être d'autres pays. Et on va prendre la communication de match d'interviews internationales, malheureusement. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une nouvelle vous annoncer. Interview No
n'aura pas lieu cette année en 2020. Tout ce qui est décalé en 2021. C'est le jour des 120 ans de Walt Disney. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour vous consoler, je vous propose de vous faire redécouvrir pour l'intégrale des émissions entières et des extraits d'anciens Intervives. Intervives de 1962 à aujourd'hui. Et je vous l'annonce, s'il vous plaît. Intervives 2021 aura lieu au parc d'Euro Disneyland de Paris. En 2021, lors des 120 ans de Walt Disney, et c'est Olivier Nuit qui présentera l'émission. Oh, et d'ailleurs, il y aura un changement. Le taureau va rester. Oh, il y aura. Ce sera un peu plus enfantin, et oui. Car il intervient pour vraiment quelques courts-métrages du dénommé Walt Disney. Et oui. Et celui qui se cherchera n'est pas du luxe, et oui. Du luxe. Était malheureusement décédé en 2003. Il est décédé en 2003 suite à une maladie qu'on ne se rappelle plus. Et puis il est retrouvé malheureusement. Mais pour ce qui est Disneyland, c'est Jean-François Disney qui s'en chargera. Voilà, allez, à bientôt les amis, et bon confinement à tous.